va, grand? Ça va tranquillement? Okay. C'est bon? Ouais. C'est bon, ça a été? Tout est là, c'est bon, tout est parfait. Enfin, n'importe comment ça, s'il te plaît. Et toi, sinon, ça va? Ben bien. Ouais, la santé, tout ça, ça va bien. Tranquillement. T'as dit quoi? 12. Non. Comment ça, il y a 12? Bah écoute, moi, j'en sais rien. Moi, tout ce qu'on m'a donné, j'ai pas vérifié, je t'ai ramené direct. Mais... En fait, il faut que je te parle. Comme tu parles par rapport à Miner. Franchement, il y a des choses qui se passent. Je sais pas si t'es au jus, mais moi, franchement, ça me plaît pas. Parce que Miner, franchement, je te dis, il est en train de détourner les affaires. Comment ça, il détourne les affaires? Donc, moi, je te dis. Moi, ici, tu m'as dit combien, Fana? 12. Là, on devrait en avoir 20. Snake, moi, j'en sais rien. Moi, ce qu'il m'a donné, je t'ai ramené. Si t'as un problème, t'appelles Miner, tu vois avec lui. Moi, j'en sais rien. Non, mais vous commencez à vous foutre de ma gueule, vous. Hein. Non, Snake, c'est pas moi. Franchement. Futur, je suis toujours. Attends. La dernière fois, déjà, tu nous as fait le coup. Tu nous as ramené la marchandise, elle a été bloquée. Tout ça, j'ai dû me départer. J'ai dû faire des trucs pour récupérer la marchandise. Là, on doit en avoir 20. Toi, tu m'en ramènes 12. Snake, je t'ai dit, appelle Miner, tu vas avec lui. Moi, franchement, je connais rien, je suis pas au courant de tout ça. Attends. Moi, vos histoires là, moi, je vais pas. On va pas continuer comme ça. Moi, ma marchandise, c'est ma marchandise. J'ai pas le temps de commencer à vouloir devoir courir après vous parce que vous. Non! Comme ça va pas fonctionner. T'as vu ce que je suis en train de faire là? Non, je te comprends. Hey. Je te comprends, Snake. Je te comprends. Tout ce que tu nous donnes jusqu'à maintenant, on t'a jamais déçu. Bien. Ouais. C'est quoi qui t'a amené ici, toi? Ah ouais, j'ai des dossiers. Hein. Comme d'hab, toi. À propos de ton gars, là, Snake. Qu'est-ce qu'il a fait encore, lui? Je sens qu'il est en train de te préparer un sale coup. Non. Laisse tomber. Je te dis, hein, moi, quand je dis quelque chose. Moi, de toute façon, moi, quand je te dis quelque chose, non, Snake, mon gars, Snake si. Mais je te dis, moi, je vis avec. Attends, moi, je vis avec, je me réveille avec. Pendant quelques heures, t'es avec lui, tu fais des juice et tout. Mais moi, c'est moi qui suis avec lui. Et quand je te dis quelque chose, il faut me faire confiance. Je te dis qu'il est en train de préparer un sale coup. Attends, je l'ai grillé à deux reprises. Attends. Donc, il faut déjà être prudent, je t'ai dit. Hein. Tu sais quoi, Mégane? C'est pour toi que je dis ça. Tu sais quoi? Je veux dire un truc. Snake, c'est ton gars. Tu vois? Moi, je suis ça. Quand je dis, c'est un bras droit, en fait, tu vas dire. Tu vois? C'est un peu ça. Je suis son bras droit. Je pense pas. Si au moins il avait envie de me faire du mal ou quoi que ce soit. Il aurait pu faire depuis longtemps. Je ne crois pas. Non, mais ça, je le dis. En fait, je le dis comme ça. Hein. Sans pour lui flatter ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est un beau gars. Personne n'est parfait. Donc voilà. Ah, mais comment vous commencez à le décevoir? Mais comment ça le décevoir? Appelle Miner. Moi, déjà, il m'a donné les affaires. Je t'ai ramené direct, mon gars. Direct. J'avais des choses à faire. J'ai dit, vas-y, je vais passer d'abord chez Snake. Je lui donne les affaires. Après, je me casse. J'ai grave des choses à faire, là. Appelle Miner. Comme ça, tu vas avec lui. Écoute-moi. Vas-y, je t'écoute. On va pas y aller par quatre chemins. Je vais tirer cette histoire au clair. Si vous êtes en train de me détourner ma marchandise. Non, Snake, c'est pas ça. Ça va mal se passer. C'est pas ça, parce que c'est pas maintenant qu'on a commencé les affaires. Tu nous connais depuis. C'est pas aujourd'hui que tu vas nous dire ça. Tu vois? Donc, comme je t'ai dit, je te dis ça va s'arranger entre parce nous. Que c'est pas la moi, je connais pas tout ce qui se passe dedans. Là. Je connais rien, je t'ai dit, mon gars. Je connais rien. Appelle Miner. Tu vas avec lui? Je sais pas. Vas-y, c'est bon. Hey, si ça continue comme ça, je vais trouver d'autres gars avec qui je vais travailler. Appelle. Ça commence à devenir n'importe quoi. Appelle Miner, Snake. Moi, je suis pas au courant. Je suis pressé en plus là. Tu m'as bloqué là, mon gars. Tu m'as bloqué, je t'ai ramené tes affaires et tu commences à me parler comme ça. C'est pas moi, mon gars. Appelle-lui. Hey, futur, ouais. si vous, ce que vous êtes en train de faire là, vous avez intérêt que ça soit net. Hein. Si c'est pas net, ouais, on va se retrouver. T'inquiète, mon gars. T'inquiète. Hey, on va s'arranger entre nous, mon gars. Vas-y, à plus tard. Non mais moi je ne comprends plus. Les mecs, ils vont chercher la marchandise. Quand ils doivent livrer, il y a des trucs qui manquent. Ou bien quand ils me ramènent des trucs, il y a des trucs qui manquent. Je comprends plus. Mais pourquoi tu changes pas de personne carrément? Parce que tes potes là, franchement, ras-le-bol. Non. On en a marre d'eux. Non, on a commencé à travailler avec eux. Ça fait quand même un certain temps. Et ils ont toujours bien fonctionné. Mais là, je commence à croire que. Là, il y a des choses. Depuis un moment, je pense que le chantier là, on dirait ça avance plus. Mais le chantier, il va plus avancer. Il va avancer comment si j'ai pas l'argent?
Vas-y, appelle Mineur, c'est bon, c'est tout. Appelle-moi. Non, je vais l'appeler, je vais régler ça avec lui. Ah oui, parce que là, c'est n'importe quoi, là. 12 au lieu de 20. Personne n'est parfait, on a tous nos défauts. Bah écoute, tu sais, de toute façon, si moi je dis ça, c'est pour toi, hein, parce que moi je trouve que t'es un bon gars, t'es sous son influence, tu vois, il t'influence beaucoup. Ah, c'est que tu penses. Alors si toi tu peux sauver ta peau, ah, c'est le moment, hein, c'est le moment, Mineur. Et en plus, t'es bien, t'es jeune et tout, tu vois, t'es beau gosse, tu peux changer de vie, tu vois. Parce que cette vie-là, sincèrement, de toi et moi, ça va finir comment? Ça va vous emmener où? Non, que des ennuis. Et lui, comment je t'ai dit, lui, il est déjà en train de préparer un truc, ça sera du lourd. Et moi, je t'ai dit, il faut me faire confiance. Et moi, je te dis ça parce que je t'aime bien, tu vois. Donc. Écoute, Megan, franchement, c'est bien gentil de ta part. Hein. Tu vois, ton mec, je le connais. Donc, tu sais, je le connais. Et tu sais très bien comment je connais Snake. Comme je t'ai dit, et je le répète encore, si vraiment il avait envie de faire quoi que ce soit, un truc sale sur moi, il aurait pu le faire depuis longtemps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais t'inquiète pas, j'ai pris ça en compte. Hein. Tout ce que tu m'as dit, j'ai pris ça en compte, mais t'inquiète pas. Ah, t'as intérêt. Je vais juste te rendre la monnaie de ta pièce. Donc voilà, toi aussi, t'es une belle femme. Donc voilà, tout ce que j'ai à te dire, il n'y a que ça. Donc voilà, quoi. Merci. Bah écoute, si moi je te dis ça, c'est pour ton bien, tu vois. Je te dis déjà qu'il est en train de préparer un sale coup. Je te dis ça, mais ça reste entre nous. Ok? Pas de soucis. Allez, vas-y. Ok, vas-y, entrez comme ça alors. Ok, vas-y, rentre bien. Non. Il est ici. Qu'est-ce qu'il est mignon. Il est trop mignon. Il est juste canon. Regarde avec ses yeux amoureux. Comment je vais faire? Ben, contacte-le. T'as pas son numéro? Mais je suis mariée dans les centres aussi. Mais arrête, quel marié? Toi, t'es mariée, tu vis en couple, mais t'es pas mariée. Mais attends. Quel marié? Et contacte-le. Tu as son contact, tu l'appelles. Oh my god, ça t'aime, mais où? Ah! T'es où? Il est trop beau! Non, j'ai jamais vu un mec! Non, il faut que je le contacte! Il est le contacte, c'est pas possible! Comme il balade, qui est beau! Non, il est trop beau, le mec! Il n'y a pas d'obstacle, et même si tu vis avec Caleb, il n'y a pas d'obstacle. Et moi, je vis avec Vini, et il y a Ducha qui me console à côté, hein! Mais Vini n'est au courant de rien et on fait ça au calme, tranquillement. Comment tu fais pour gérer les deux? Ben, tous les temps que tu passes dans ta cuisine là pour faire le ménage, mais ben, c'est les temps que tu dois consacrer pour lui. Mais quand Caleb n'est pas là. Ma soeur. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Ah, c'est arrêté. Oui, ça fait longtemps, oui. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, tu m'as jamais pardonné. Je sais que j'ai fait des bêtises. Je sais ce qu'est ton enfant. Il y a toujours des bêtises que j'ai fait. Il y a un moment, j'ai changé. Tu me manques. Il y a un moment, j'ai entendu me dire que ma soeur, elle me manque tout le temps. Et ça me fait plaisir de te voir, même là. Attends, s'il te plaît. Attends. Déjà, qu'est-ce que je fais là? J'étais à côté, j'étais venu voir un pote à moi. Après j'ai vu que les trois, après j'ai vu qu'il était en train de passer ici. C'est pas possible ça. Je peux pas le dire. Il faut créer des sorties. Tu dis à Caleb, tu vas aller faire des magasins, puis tu vas les chercher. Attends. Mais il peut venir ici. Hein? Mais quand ta fille va à l'école. Oh, mais j'ai pas l'habitude. Mais qu'est-ce qui est difficile là? Je vois. Qu'est-ce qui est difficile? Ben, tu l'appelles, il suffit juste de l'appeler. Tu l'invites à la maison. Ben, si ta belle-fille. À la maison? Quelle maison? Ici? Mais alors? Mais alors? Ben, si Caleb me demande, tu dis ton cousin. Ici à Paris, tout le monde est cousin de tout le monde est cousine de tout le monde. Donc voilà, c'est comme ça se passe, comme ça à Paris. Tu le présentes, c'est mon cousin. Mais attends! Je crois que je vais faire ça. Je te jure, ici c'est Paris, ma chérie, il faut rouler la mise. Oui, ouais, Caleb. Tu vois? Ça va? Bien sûr. Ouais. Tu veux manger? Je viens d'arriver. Viens d'arriver. Hé! Hey,
Ça va? Il faut que je le soigne. Mais il est fatigué. Il est fatigué, il fait très froid. Ouais, ça va, ça ira, ça va. Ok, bon. Pas te reposer au salon, je vais m'occuper de toi tout à l'heure. Vas-y. Ok. C'est bon. Ok. Tout ce qu'il sait faire, que de manger. T'as sûr. Ouf. Non, je vais faire ce que tu m'as dit. Ben oui, t'as intérêt. Ouais, c'est pas possible. Franchement, là. Je sais que tu as fait des efforts. J'ai appris que tu as changé. J'ai vu un grand toi qui m'a parlé de toi. Mais tu as fait tellement de conneries, j'ai même honte dans le quartier. Je sais que j'ai fait des conneries, c'est vrai. Mais la seule chose que je peux te demander, c'est de me pardonner. J'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai souffert d'ailleurs et je me suis même inscrit en formation. J'ai en train de faire tout pour que tu me pardonnes. Il n'y a que toi que j'ai. Excuse-moi. Laisse-moi rentrer à la maison. Même l'autre fois, j'ai parlé avec Fana. Je suis vraiment désolé, ma sœur. Non, ne t'imagine pas. Déjà, ne me parle même pas de Fana. Avec le coup qu'elle m'a fait celle-là, je pense même pas si elle va encore rentrer à la maison. Bon, pour toi, je sais pas, je vais voir. Hein. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir parce que moi, je n'ai là, quoi. C'est vrai que j'ai que vous, mais là, franchement, non. Moi, j'ai ma vie. Hein. Je ne veux pas. Ma sœur, je suis désolé. Viens ici. Et déjà, tu m'appelles bien, tu me cries pas, déjà, pour commencer. Viens là. Continue à dormir là, comment tu dormais. Viens là, je t'ai dit. Tu le faisais très bien, continue. Pourquoi tu m'appelles? Je suis en retard là, il y a des gens qui m'attendent. Mégane, attends. Quoi? Ma copine, quoi? Remix, ça sera le week-end prochain. On est invité à un anniversaire, l'une de mes copines fête son anniversaire ce samedi là. Ça sera encore en boîte, tenue exigée, blanc. Donc on serait des anges. C'est. Je te jure, ça fait comme jamais. Ça fait cool. Ça sent chaud, blanc. La carte bleue là va siffler. Hein. Je te jure, ça sera chaud. Alors du chaud, du boum et du boum. Oh, il frappe encore là. Tu attendais quelqu'un? Non, même pas. Et qui peut venir sans prévenir? Non, mais c'est vraiment, oh, c'est le Congolais, ça. Je t'assure. Ah, bonjour, Léa. Je t'attendais pas. Ah ouais? Bah, ça va? Ouais, ça va. Il est ton mari? Non, il est sorti. Ah oui. T'es pas en travail aujourd'hui? Non. Ma samba. Ma copse. Je suis ici. Ça va? Ça va, et toi? T'es pas en travail, toi? Je suis au chômage, là. Ah bon? Ouais, je mange. Moi, je reviens du boulot. Je suis fatiguée. Oui. Comme d'hab. Hein. Ouais. La routine. Non, mais je trouve. Il est qu'un chien. Mon Dieu. Meta, ça tombe bien, je te sauvais ici. Quand je te parle, quand je te dis quelque chose. Mais fou, toi! Mais toi là! Moi, je te parle. Tu me dis que tu vas en boîte. Mais t'es malade, toi. Attends, je suis rentré, j'ai pas mangé, fatigué comme j'ai. T'as pas vu que j'étais en train de dormir sur le canapé? Je t'avais dit quoi? Je crois que tu perds la tête, là. Je t'avais dit quoi? Dans cette maison, je faisais plus rien. Est-ce que tu comprends? Plus rien. T'es un adulte, non? Tu sais pas te faire des pâtes? Tu sais pas te prendre de l'eau ou regarder la télé ou faire quoi? Tu sais, dehors,
on dit partout snack, snack, snack. Ici, c'est pareil. T'es snack partout. T'es snack dehors, t'es snack ici. Alors tu te démerdes. Compte plus sur moi. Je t'ai dit, c'est plus la Mégane que tu connaissais, hein. La bonne femme soumise, oui à tout. Oui et amen. Snack d'ici, oui, oui, oui. C'est fini ça. Mais toi, tu t'en prêtes. Et moi, il y a mes copines qui m'attendent en bas. J'ai plus rien à voir avec toi. Tu fais ta vie, je fais ma vie. Chacun fait sa vie. Donc voilà. Bye. Snake, qu'est-ce qui t'arrive, gars? Toi, je tiens un chacal. Ça tombe vraiment bien. Chez moi, t'as coupé les pieds. Tu viens plus chez moi. Tu es chez Marlène. Mais parce que je lui tiens compagnie parce qu'elle ne travaille pas. Toi, tu vas au boulot. Moi, je travaille pas ces derniers temps. J'ai vu passer mes journées ici. Non, mais Mita, moi, je suis pas d'accord avec toi. Oui, du mal. Mita, moi, je suis pas d'accord avec toi. Ça se fait pas. Tu laisses pas à Marlène le temps avec son mari? C'est ça que tu fais? Oh! Tu l'as entré dans le mal, Meta. Pourquoi t'es comme ça? Comment ça? Pourquoi tu peux influencer les gens comme ça bêtement? C'est pas bien! Hé! Hey! Moi, Meta! Tu t'étonnes? Moi, influencer Marlène! Oui. Elle a totalement changé. Même vis-à-vis de son mari. Ça s'est fait pas? Hé! Hey! Meta, arrête. Je te connais très bien, on s'est connus. Arrête. Ah ouais? Aujourd'hui, je suis femme seule à cause de. Attends, mamie. Là, tu me traites? Meta, tu sais qu'il y a des gens qui sont manipulables, tu sais très bien. Meta, alors arrête, je te dis qu'il faut arrêter avec ça. Ah elle ouais? Fréquente peut-être des boîtes de nuit, elle fréquente des Nganda. Meta, mais pourquoi c'est une femme mariée? Attends, ben oui. Attends. J'attends quoi? J'attends quoi, Meta? Tu veux pas avec ma soeur, je veux pas. Ah oui, oh, ici tu c'est pas... Paris, voilà ça, Meta, je vis. Ah ouais? Quelle boîte de nuit je suis... j'ai découvert? Marlène, hein? Ça c'est pas toi ça. Mais si, c'est moi. Non, mais c'est si, pas... c'est moi. Non, mais arrête. C'est comme ça que tu me parles? C'est comme ça que tu me parles, Marlène? Ah, mais attends, tu exagères toi aussi. Je t'ai parlé comment? Oh, on vit! Marlène! Hein? On vit! Ah! Oh, la fête où tu m'as parlé, c'est quand déjà? Ben c'est pour ce samedi. Bon, la sœur en Christ, tu veux prier? Tu veux venir avec nous? Non. Tu veux pas venir la peine, avec nous? Pas la peine. Marlène! Pas la peine déjà. Meta! Meta! Ben attends. Non, Meta, c'est que je te démontre! Meta me fait vivre, merci Meta! Hé, Marlène! Avec le vieux Marlène, on fait rien! D'avis comme ça. Toi, tu faisais trop des fières. C'est quoi qui t'a fait changer d'avis? Sérieux. Regarde-moi bien. Ouais. Tu sais, des fois, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Tu sais, la dernière fois qu'on s'est vu, souviens-toi, tu m'as dit quoi? Kéjar et tout, il est en train de monter un truc sur moi. Il y a un truc bizarre. Et j'ai bien réfléchi, je préfère pas mourir bête, tu vois. Je préfère mourir avec cause. Tu vois, j'ai pas envie de, voilà, d'avoir Snake derrière moi. Il y a des choses que j'ai pas commises. Mais j'ai bien réfléchi, regarde comment t'es. Tu vois. En vrai, il te mérite pas. Tu vois. Il est pas honnête avec toi, il est pas sérieux. Donc je pense que toi et moi, ça sert à rien de te faire un dessin. Tu vois. Ici, c'est Paris. Ici c'est Paris, wesh. Je vous dis, hein, ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Ici c'est Paris.